Coucou les filles, ben, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo, encore une petite vidéo, simplement pour vous présenter, donc pour vous faire une petite présentation des fossiles que j'ai achetés. Puisque comme vous avez pu le voir, je me suis lancée dans la pose de fossiles et dans le fait de porter des fossiles. J'adore ça. C'est de plus en plus, ça devient quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Et donc, j'en avais très peu avant, puisque je n'en portais pas. J'avais 4 paires, je crois, enfin 4-5 paires. Et comme je me suis entraînée avec, voilà, donc j'en ai plus, il fallait que j'en rachète. Et donc, je me suis lancée, donc j'ai racheté des fossiles. Je les ai achetés sur le site de Beauty Joint. Donc, je les ai toutes pris de la marque de Cherry Blossom. Alors. Je les ai payés environ moins de 2 euros, moins de 2 euros la paire, ça c'est sûr, même moins d'un euro 50. Ouf. Moins de 2 euros, c'est sûr. Voilà. Et voilà. Donc, donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Puisque je suis donc toute novice vraiment en fossiles, je ne connais pas les fossiles. Et j'ai la chance d'avoir des abonnés adorables, gentils, merveilleux, fantastiques. Voilà. Et donc une de mes abonnées que j'aime énormément, qui s'appelle Yasmina. Yasmina, tu sais pourquoi je te fais tous ces bisous. Voilà, donc Yasmina a bien voulu m'aider à choisir des fossiles. Donc on était par ordinateur, hein, donc j'étais sur mon site, sur le site de Beauty Joint, elle sur le sien. Alors en plus Yasmina n'habite pas en France, donc c'était trop, vraiment trop gentil de sa part. Elle est restée pratiquement une heure avec moi par WhatsApp. WhatsApp, hein, vous savez, au moins les nouvelles technologies. Hein, donc WhatsApp pour m'aider à choisir des fossiles. Et donc, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et je te remercie encore beaucoup, Yasmina, parce que je crois que sans toi, j'aurais pris n'importe quoi. Et je cherchais des fossiles quand même assez naturels. Mais bon, qu'on voit que j'ai des cils, hein, parce que je ne vais pas poser des fossiles. Voilà, il faut que ça fasse naturel, mais quand même qu'on voit que j'ai des beaux cils. Sinon, je ne vois pas le trop d'intérêt. Et j'y serais jamais arrivée sans toi. J'aurais peut-être pris n'importe quoi. Et je te remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plein de bisous, ma Yasmina. Alors, j'ai pris deux paires de ceux-là. Donc, les Cherry Blossom, ce sont des fossiles qui sont 100%, 100% naturels, donc faits avec des cheveux. Et ils sont vraiment très très bien. J'avais déjà une paire que j'ai utilisée et que j'avais adorée parce que ils sont très, le trait est très très fin et ils sont très très jolis. Donc, la première paire. Deux fossiles, j'en ai pris deux, pareil. Je regrette, non plus. Ah, j'ai bien fait. J'en ai pris quatre. C'est les 109. Donc, c'est la référence 109. Voilà. Ils sont très très beaux. Ils font très très naturel. Comme vous, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous montrer. Vous voyez le trait pour mettre la colle est très très fin. Donc, ça sera vraiment très 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 discret. Et je suis super contente parce que j'ai hâte de les essayer. Je pense que je vais les ai dès demain, ceux-là. Alors, après, j'ai pris d'autres fossiles. Alors, c'est des fossiles sous une autre forme qui sont un peu croisés. Alors, il me tarde de les essayer parce que je me demande le rendu que ça a sur les yeux. Je vois pas trop, mais ils sont très très beaux. Voilà. Préférence 41. Vous voyez un petit peu comment ils sont un peu croisés, ils ont l'air vraiment, ça a l'air super joli quoi. Je suis impatiente de les tester. Donc j'en ai pris deux, hein, de la référence 41. Voilà la référence 109 que je vous ai montré, j'ai pris quatre paires. Voilà pour commencer, je pense que c'est pas mal. Alors après, de la référence 46, j'ai pris deux paires. Voilà. Et alors, elles ressemblent un petit peu aux 109, mais si vous voulez, elles sont plus fournies. Voilà, je vous montre. Elles sont un peu plus fournies. C'est très joli. J'aime bien les fossiles comme ça. C'est très, très joli. Voilà. Et puis, vous voyez, toujours le trait est assez fin, quoi. Donc, ça va être assez discret à poser. Donc ça, c'est la référence 46. Après, de la référence numéro 12, j'en ai pris aussi deux.
Donc, ils sont plus courts. Alors, je vais vous montrer hein, par rapport, si vous voulez, aux 46. Voyez, ils sont un peu plus courts, plus denses que celle-ci. Et voilà comment ils se présentent. Ils ont l'air aussi un peu plus longs, mais ça me va, quoi. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Je sens que je vais bien m'amuser à poser des fossiles. Ça, j'adore ça. Et pour finir, j'ai pris deux références 18. Alors, ce sont des fossiles individuels. Alors, j'ai pris pour essayer parce que les fossiles en eux-mêmes, je ne les pose pas tous les jours. Dans la semaine, maintenant, depuis que j'ai commencé à en mettre, sur une semaine, je mets deux fois, 2 jours des fossiles. Oui, largement 2 jours je mets des fossiles. Voilà, j'aime bien. Ça commence à devenir un petit peu. Oh oui, tiens, j'ai pas mis de fossiles hier, il faut que j'en mette aujourd'hui. Voilà, j'aime bien. Mais je trouve que, bon, comme je suis pas encore une experte, je prends beaucoup de temps et voilà. Donc je me suis dit que c'était pas mal du tout de prendre aussi des fossiles individuels pour pouvoir les mettre peut-être tous les jours, hein, juste sur le, au, en bo en bord, sur le bord externe de l'œil. Donc voilà ce que j'ai pris. Voilà, c'est cela. Des petits fossiles individuels comme ça. Et j'en ai pris deux paires. Donc deux paires de fossiles individuels, ça fait quand même pas mal de fossiles. Et voilà. Donc c'était simplement une petite vidéo pour vous montrer mes petits achats en fossiles, puisque vraiment je commence à être une fanat fossile, vraiment. Donc là, je vais les essayer. Je vais pouvoir aussi me faire une idée sur ceux qui me vont le mieux, le moins bien. J'en ai pris un peu des différentes. Donc comme ça, je pourrais aussi un peu voir bah, ceux avec lesquels je me sens plus à l'aise et tout. Et puis peut-être aussi en essayer des autres aussi. Donc voilà, c'était simplement pour vous tenir au courant de l'avancée de ma pose de fossiles et surtout des achats que j'avais faits. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu les filles. Je vous fais plein de bisous, je te remercie encore beaucoup, Mayaspina. À très très vite.